Bonjour à tous, je suis en compagnie aujourd'hui d'un invité aux multiples talents. Alors comme on est dans Hit Story, on va bien sûr parler chansons, mais il sera aussi beaucoup question de théâtre. Et cet invité, c'est Grégory Baquet. Bonjour Grégory et merci d'être à mes côtés. Bonjour, eh bien, je suis ravi d'être là en Auvergne. Donc vous êtes l'un des interprètes d'un des plus gros tubes des années 2000, donc Les Rois du Monde, extrait du spectacle musical Roméo et Juliette. Donc c'est une chanson qui a eu un énorme succès jusqu'à occuper la première place des charts français. Les Rois du Monde, oui on peut pas, ça, ma vie a changé avec cette chanson. Pour la petite histoire, j'ai passé l'audition de ce spectacle en 1999 et au moment de l'audition, c'était cette chanson que je devais chanter et c'était un playback, un petit playback fait au synthé et tout ça. Et quand j'ai entendu la chanson, je me suis dit oh là là, c'est pas forcément ma came. J'espère que je n'aurai pas à chanter cette chanson dans le spectacle. Et ben manque de bol, c'est tombé sur moi et je l'ai chanté, je sais pas au moins 2000 fois cette chanson. Et effectivement, on est resté 17 semaines premier au top 50. C'est quand même assez énorme. Est-ce que vous savez que c'est un des 13 singles les plus vendus de tous les temps en France? Je ne savais pas que c'était à ce point-là, mais bah, tant mieux, visiblement. Tant mieux pour l'auteur-compositeur, surtout. Oui, d'ailleurs, qui est bah, Gérard Presgurvic. Et donc, vous partagez le succès avec vos deux comparses, donc Damien Sarc et Philippe Davila. Bah, oui, voilà, on était inséparables en répétition, sur scène, puisque nos trois personnages sont intimement liés dans le spectacle, hein. Mercutio, Roméo, Benvolio. Donc on s'est retrouvés tous les trois forcément en promo et à chanter cette chanson, et ça nous a beaucoup soudés. Et alors, à votre avis, qu'est-ce qui a contribué à ce succès énorme? Alors, indéniablement, le talent de Gérard Presgurvic, d'inventer des mélodies lancinantes et qui... Voilà, parce que indépendamment de cette chanson, il a écrit quand même beaucoup de titres, notamment pour Patrick Bruel. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est lui qui a inventé le premier rap, puisque dans les années 80, c'est lui qui avait écrit cette chanson qui s'appelait « 5 heures du match, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son ». Voilà, on s'en souvient même de 30 ans ou 40 ans après. Donc, indéniablement, son talent. Et puis, ce qui a fait le succès... Eh bien, à l'époque, c'était le matraquage aussi qu'on a eu à la radio. Hein. C'est sûr qu'en l'entendant matin, midi et soir sur toutes les chaînes de radio et de télé, bah forcément, ça finit par rentrer. En parlant de radio, vous aviez été récompensé aussi au Energy Music Award en 2001. Eh bien, vous voyez, j'avais totalement oublié cette histoire. Mais oui, c'est vrai, maintenant que j'y pense, effectivement, on avait été récompensé. Mais je me souviens qu'on était sur scène au moment où on avait reçu le prix. Et donc, on n'était pas allé sur place recevoir le trophée. Et vous aviez donné de votre personne dans le clip, donc avec des trompes d'eau et des chorégraphies. Vous vous souvenez de ça? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est Reda qui faisait les chorégraphies. Et c'était Paul Boujna, je me souviens, qui avait réalisé, le frère de Michel Boujna, qui avait réalisé le clip. Et effectivement, toute la fin de tournage, ça se situait au Trocadéro, où on était sous des trompes de flotte. Ils n'avaient rien trouvé comme meilleure idée que de nous mettre dans la flotte, dans les fontaines. Et je me souviens, on s'était bien caillé les miches pour tourner ce clip, oui. Oui, on imagine, et est-ce qu'à part moi, on vous en parle encore, des Rois du Monde? Je crois que c'est une des choses dont on me parle le plus. Alors, il n'y a pas que ça. J'ai eu la chance de tourner aussi des séries télé. Donc, il y a forcément Extrême Limite pour les plus anciens. Et puis, Une Femme d'Honneur. Et puis, voilà, Roméo et Juliette. Ce sont les trois choses qu'on me rappelle le plus. Est-ce que c'est plutôt des bons souvenirs ou c'est un peu pesant? Non, ça a été un peu pesant sur le moment. C'est pour ça que je n'ai pas forcément voulu continuer l'aventure, parce qu'une partie de mes camarades a continué à l'aventure, hein, dans les pays asiatiques et tout ça. Ça s'est continué. D'ailleurs, ça s'est joué encore il n'y a pas si longtemps que ça. Donc sur le moment, j'étais content de quitter l'aventure, parce que voilà, ça faisait quand même 3-4 ans qu'on jouait. Mais maintenant, avec le recul, ça reste effectivement que des très bons souvenirs. Vous avez plus d'occasion de la rechanter du coup? Non, 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 j'ai plus l'occasion de la rechanter. Peut-être qu'un jour ça se présentera quand on fera les 30 ans ou les 40 ans des vieux ringards de la comédie musicale. On viendra chanter ça encore, mais non, non, mais non, non, j'ai pas l'occasion de la chanter. Alors, à quand un retour dans la chanson? Vous aviez fait une incursion dans le jazz très réussie là, il y a quelques temps. Alors, je vais continuer. C'est une chose que je n'ai pas complètement abandonnée, notamment avec mon trio jazz, qui se développe en quartet ou en quintet d'ailleurs. Mais voilà, puis je
compte bien peut-être écrire, enfin d'ailleurs pas peut-être, je suis en train d'écrire les prémices peut-être d'un spectacle musical, d'une comédie musicale que j'écrirai, voilà, paroles et musique, pas tout seul forcément, je me fais aider de pas mal de gens autour de moi, enfin en tout cas c'est dans les tuyaux, et donc le trio jazz, enfin le jazz continue, la comédie musicale peut-être en tant qu'auteur et metteur en scène, peut-être en tant qu'interprète, nous verrons. En tout cas, ce n'est pas complètement fini. J'ai décidé de prendre le chemin du théâtre parce que nous sommes dans un pays où on aime bien mettre les gens dans des cases. J'avais la case théâtre avant d'avoir la case comédie musicale. J'ai gardé cette case-là et j'en suis bien heureux, mais peut-être que je reviendrai à la comédie musicale en tant qu'interprète. Donc on va parler théâtre. Votre actualité brûlante, donc, c'est Adieu Monsieur Hoffmann, une pièce écrite et mise en scène par Jean-Philippe Daguerre. Je crois que vous avez tout de suite dit oui à ce projet dès que vous l'avez lu. C'est ça. Cette pièce est venue dans ma vie grâce à un producteur, un ami producteur qui s'appelle Thibaut Dinière, qui dirige Atelier Théâtre Actuel, qui est un producteur avec qui je travaille beaucoup depuis des années. Et avec qui j'ai fait Les Cavaliers, entre autres, enfin voilà, plein de pièces. Et c'est lui qui m'a donné cette pièce à lire en me disant « il faut absolument que tu lises ce petit bijou ». Et effectivement, j'ai pas mis longtemps, j'ai mis quelques jours à la lire et à répondre que je ne voulais absolument pas que cette pièce se fasse sans moi. Voilà, donc je suis ravi de venir la jouer ici. Nous avons fait le Festival d'Avignon 2 années de suite. Donc Avignon, ça génère des dates de tournée, comme ici, à Dodoche, où je viens jouer ce spectacle. Alors, qu'est-ce qui vous a plu? C'est le sujet, le traitement de la pièce avec beaucoup de rythme? C'est le sujet. D'ailleurs, les innombrables sujets qu'il y a, parce que ça traite de beaucoup de choses. C'est une pièce qui traite du prix qu'on veut mettre pour avoir un enfant. Ça parle de qu'est-ce qu'un homme est prêt à faire dans sa vie. Comment est-ce qu'un homme peut basculer du côté noir des choses et puis peut-être et s'en ressortir, voilà. Donc en fait il y a plein de sujets et c'est surtout une histoire très humaine et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Il y a un vrai message d'espoir? Essentiellement un message d'espoir, c'est sûr que c'est enfin je vais pas tout révéler pour ceux qui voudraient peut-être voir la pièce par la suite dans d'autres dates de tournée ou à Paris, parce que nous avons la chance, je en parle d'ailleurs tout de suite, mais on a la chance d'avoir signé pour le théâtre Montparnasse à partir de janvier 2018, donc nous allons y jouer au minimum 2 mois après pour toute la saison. Donc oui, c'est ce message humaniste, plein d'espoir, voilà. Comment est-ce qu'on peut faire des erreurs et comment est-ce qu'on peut se sortir de ces erreurs? Et vous remportez les suffrages de la critique avec cette pièce? Visiblement, c'est un spectacle qui marche bien et qui est critique et public d'ailleurs. Hein. Les gens sont très emballés, c'est un spectacle très émouvant. Drôle d'ailleurs, ça commence comme une comédie et puis ça vire petit à petit dans un spectacle beaucoup plus tendu, en tension, avec du suspense. Et on finit par avoir de la beauté d'âme et quand même un happy end. Je peux le dire parce que c'est quelque chose que je défends. J'essaye d'avoir des projets de nos jours qui sont empreints d'espoir. Et je trouve qu'en ce moment, on nous montre trop de choses négatives et trop d'horreurs, de violences. C'est en partie pour ça que j'ai décidé de ne plus faire de télévision pour l'instant. Je trouve qu'on ne montre que des choses horribles, voilà, et j'ai envie de montrer des choses belles. Je ne dis pas que la vie est belle et que c'est les bisounours, hein. Je déteste ce terme, mais je l'emploie parce que c'est en ce moment à la mode. Je ne veux pas une vie de bisounours, je pense que la vie est dure, mais je pense qu'on peut s'en sortir, et c'est ce côté-là de la vie que j'ai envie de montrer. Et on a besoin de bons moments, et donc on pourra bientôt vous découvrir dans d'autres pièces, je crois, puisque vous menez plusieurs projets en parallèle. Exactement, je suis en train de coproduire un spectacle qui s'appelle En attendant Bojangles, qui est aussi tiré d'un roman, qui est donc mis en scène par ma partenaire avec qui j'ai monté ma compagnie, la compagnie qui s'appelle la compagnie Vive. Avec cette compagnie, nous défendons des projets contemporains, forts. On a envie de montrer des choses justement positives, de montrer que la vie n'est pas si horrible qu'on veut le montrer, en tout cas que l'être humain n'est pas aussi horrible qu'on a envie de le montrer. Donc il y a ce projet qui s'appelle En attendant Bojangles. Il y a aussi un projet que j'ai mis en scène moi-même et qui s'appelle On ne voyait que le bonheur, qui est une adaptation d'un roman de Grégoire de la Cour, celui-là même qui avait écrit La liste de mes envies, qui avait déjà donné une adaptation théâtrale et un film. Donc On ne voyait que le bonheur, que j'ai adapté, que j'ai mis en scène, que je coproduis, que je joue, qui va peut-être être à Paris l'année prochaine, mais qui partira surtout en tournée l'année prochaine. Voilà. Et puis, très bientôt, en tant que comédien, je suis
en début de répétition, je vais avoir le bonheur et l'honneur de jouer Hamlet de Shakespeare à partir du mois de mars à Paris pour 2 mois et ensuite à Avignon l'été prochain. Parfait, tout ça. Donc votre Molière 2014, la révélation masculine, ça a été un grand moment, on imagine, dans votre carrière. Eh bien, comme je me suis plu à le dire au moment de la remise du trophée, je suis une jeune révélation théâtrale au bout de 28 ans de métier. Mais ce qui m'a beaucoup plu, puisque ça me permet de me dire que je suis encore au démarrage de ma carrière et que j'ai encore une longue carrière devant moi, que je ne suis pas prêt d'être enterré et que j'ai encore beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire. Oui, c'est sûr que ça a été très émouvant pour moi de l'avoir, notamment pour mon papa qui est décédé, mais qui, de là où il est, je suis sûr, doit être très fier de me voir avec un Molière. Justement, vous parliez de votre papa. Est-ce que, Grégory, vous pensez que vous auriez eu le même parcours si vous, c'est dur à savoir, mais si vous n'aviez pas été issu d'une famille d'artistes? Alors, je ne sais pas. C'est sûr que je ne sais pas. En tout cas, le nom de mon père et lui-même ne m'a jamais poussé. Voilà, ils ne m'ont jamais influencé dans mes choix, ni par rapport à d'autres gens du métier. Ils n'ont jamais influencé qui que ce soit pour que j'aille faire ce métier ou pour que je sois reçu à des rendez-vous ou des choses comme ça. Chose d'ailleurs que je fais avec mon fils, parce que j'ai un fils de bientôt 20 ans qui fait aussi ce métier et que je n'influence absolument pas. Il vit sa vie. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le fait de vivre dans une famille d'artistes m'a ouvert les yeux et les oreilles sur plein de choses, sur de la littérature, sur des musiques, sur des choses que je n'aurais peut-être pas eues dans une famille plus conventionnelle, c'est sûr. Alors, vous évoquiez tout à l'heure Extrême Limite. Je voulais vraiment vous en parler. C'est une série qui m'a beaucoup marqué. Et donc, tout au long de l'interview, j'ai eu des images de Mathieu qui ont refait surface. Est-ce que vous savez que c'est une série culte pour pas mal de personnes? Alors, je ne sais pas si c'est une série culte. En tout cas, je sais que c'est une série qui revient souvent. Je crois que d'ailleurs qu'il y a encore des épisodes qui diffusent de temps en temps sur la TNT. Mais en tout cas, ça est quelque chose aussi qui a beaucoup marqué mon adolescence, ma jeunesse et puis ma carrière, puisque ça m'a ouvert des portes, que les gens me connaissent, que ça m'a donné une grosse notoriété. Et ça a été quand même un bon délire en tant que jeune acteur de participer à cette série pendant presque 3 ans de tournage. Oui, ça a été un grand, grand moment. Eh bien, merci beaucoup, Grégory. C'était vraiment un plaisir de vous rencontrer et pourquoi pas à très bientôt. Ben, merci à vous. Au plaisir de se revoir une prochaine fois sur d'autres projets, d'autres choses, peut-être par les musiques, peut-être une prochaine fois. Avec plaisir.